circuit was quite dry, so it's no point running further because the feeling, you know, the rear guard. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du championnat 1199 de Formule 1. On est en séance de qualification, il me semble, non, en séance d'essai, pardon. On va lancer la qualification de ce Grand Prix d'Autriche 1999. J'espère que tout va bien se passer. Reconstruit, le circuit a perdu la magie de l'ancienne Österreichring, qu'il a supplantée. La piste est serrée et il en résulte toujours un spectacle époustouflant. Donc c'est parti. Mission 99 qui avait été marquée à l'époque par l'accrochage au deuxième virage des deux McLaren, alors en tête, dès le premier tour. On va voir ça au prochain virage justement. Donc, on est toujours en tête du championnat, avec pas mal de points d'avance d'ailleurs. Vous allez voir que le jeu, mine de rien, va nous surprendre, je vais vous montrer un petit peu pourquoi après. Donc là on va faire donc deux tours de qualification, en espérant que le jeu tienne le coup. Ça n'avait pas planté en essai, donc j'espère que ça ne plantera pas non plus là. Comme vous pouvez le voir, on est sur un autre moteur de rendu. C'est pour ça que c'est un peu plus pixelisé, mais bon, on va laisser comme ça. Hein. Écoute, le principal, c'est que ça fonctionne. Et le jeu ne crache pas. En tout cas, ça avait marché en essai, donc je n'ai pas de raison pourquoi ça ne marcherait pas en... Il a mis deux roues dans l'herbe. Actuellement, même si c'est un petit peu aléatoire, effectivement. Et on a une configuration de voiture qui est un peu plus adaptée, j'ai l'impression, pour le deuxième secteur. Pas pour le premier. Au moins qu'un peu de vitesse de pointe. Par contre, en virage, on va se défendre beaucoup mieux. Donc c'est parti pour le premier tour lancé. En espérant que ça tienne. Et franchement, si le jeu crache à nouveau là, je ne sais toujours pas quoi faire. Ok, donc un premier tour, on est en retard déjà sur la Kylen, 3 dixièmes. Mais c'est vraiment pas là où on est le mieux, hein. Ce sera vraiment après. Alors, dans cette partie qu'on va être un peu plus rapide. Un dixième d'écart maintenant sur Häkkinen. On va se faire un tour sans trop se planter. Ok, parfait. Pole position. Oh, on a mis allez, 3 secondes 8 à Häkkinen, c'est assez énorme d'ailleurs, je n'entendais pas ça. Alors ça peut être pas mal en qualification, mais peut-être qu'en course on aura plus de mal. Parce que bah, c'est en ligne droite que les voitures risquent de dépasser, alors que dans les virages, pour les dépasser eux, ça va être compliqué. Oh, 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 je me suis loupé. Du coup j'ai perdu un peu de temps, je pense. Normalement on peut le prendre dans les secteurs assez rapidement, mais encore plus vite que ça. Quasiment réussir à prendre celui-là à fond. Et là j'ai 3 dixièmes de retard. Je pense que c'est encore faisable. Encore faisable, on va s'en pas mieux un petit peu. Alors dans une droite ce que ça donne, est-ce qu'on aura amélioré ou pas du tout? Mais non, on est en retard, mais écoutez c'est pas grave. On va faire fin de qualification.
On va partir en tête en un tour en une 7 qui est vraiment très court. C'est vrai que c'est un des circuits les plus courts avec Monaco de la saison. Donc on va lancer la course. Alors, on va lancer la course, donc il va être 14h, logique. C'est parti donc pour cette grille de départ du Second Prix d'Autriche, en pole 1999. Position, Stéphane Sarrazin. Près de lui se trouve Mika Hakkinen. Et en troisième place, nous retrouvons David Coulthard. En quatrième, Eddie Irvine. En cinquième place, Heinz Harald Frentzen. En sixième place, Damon Hill. Septième place, Ralf Schumacher. En huitième position, Jarno Trulli. Neuvième place, Trulli, huitième sur la Pro, c'est pas mal. Dixième place, Alexander Wurt. Onzième position, Johnny Herbert. Douzième place, Douzième. Barrichello. En treizième place, Olivier Panis. Quatorzième position, Jacques Villeneuve. 15e place. Et voyez la surprise, on a Mika Salo qui a bien remplacé Schumacher comme en vrai et qui va partir 16e sur la grille, c'est vraiment loin. Pika 17e aussi. Oh, Benetton. Diniz de la Rosa, ok. Gené 20e. Tekeli et Zonta 21e. 21e position. Et voilà donc, on n'a plus Schumacher. Ce qui fait que c'est comme c'était notre dauphin au championnat, ça risque d'être peut-être un peu plus facile. On va voir, faut espérer que je tienne. Alors déjà j'ai la. Ouais, j'ai ma femme qui vient de dépasser, super. Attention au freinage. Ouh, je me suis fait un petit peu harponné derrière. Regardez ça, quelle catastrophe. On vient de perdre une position déjà. Ouais, déjà la McLaren devant qui s'éloigne et on a la Ferrari derrière qui nous met la pression. Voilà, donc c'est ici qu'on va être le plus rapide logiquement. Mikasso qui part super loin. Il me semble qu'il était déjà aussi parti loin lors de ce Grand Prix. À l'époque, c'est que Salo avait dû un petit peu s'habituer à la voiture et c'était pas évident. Aïe. Oh ben voilà, je crois qu'en l'extérieur, super. Ouch. Il remonte rapidement derrière lui. On s'est accroché avec Irvine. Ses voitures se sont légèrement heurtées. Et voilà, j'ai le rond avant qui est cassé. Ah, légèrement cassé. Ah, du coup, on s'est percuté. Je crois que j'arrive à revenir dans la partie lente. Et du coup, Hakkinen et Coulthard, hein, premier et deuxième. Herbert Panicello. Alors du coup, je pense que Salo, étant donné qu'il n'est pas spécialement rapide par rapport à Schumacher, en tout cas dans le jeu, ben, ça a peut-être donné des opportunités aux équipes de marquer le point de 6ème place, justement. Après, je doute que c'est tout le temps hors top 6 quand même, hein, mais bon. On va voir. Il a mis deux roues dans l'herbe. Va-t-il perdre le contrôle? Je rappelle, hein, toujours 10 tours à faire. Vous avez vu, on a roulé sur les débris. Les débris qui sont toujours présents. Il réduit l'écart qui les sépare. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer. Oh, je vais pouvoir peut-être dépasser la Williams, non. Essayez de garder l'aspiration. Des fois, je reste trop derrière, hein. C'est souvent le piège. Va-t-il réussir à le dépasser? Non, ça passe pas. Il avait bien remonté, hein. 11ème. Un meilleur tour en limite, on est plus rapide en piste. Ça me semble pas illogique puisque ma qualification a été largement devant. Et Schumacher a déjà repris une place, hein, j'ai l'impression. Schumacher, non, pas Schumacher, Irvine. Il faut trop faire d'erreur, on va essayer de remonter. Évident ce tracé, mine de rien, peu d'opportunités. Et disons, c'est Ralf Schumacher, donc j'ai du mal quand même à aller aussi vite qu'eux. Là, il y a un petit groupe qui s'est formé.
Voilà, j'ai enquêté, on va essayer de passer, d'en profiter pour dépasser la Williams à l'intérieur. Il va falloir freiner très tard, hein, parce que sinon il va nous redépasser directement. Il réduit l'écart qui les sépare. Oh, je me suis quoi tombé. La Ferrari m'a tellement, tellement surpris à être aussi haut dans ce virage que j'ai failli repartir d'une place. Ça fait du bien d'avoir un peu de concurrence quand même, parce que ça fait des grands prix. On a un petit peu roulé dessus, et là franchement, un peu compliqué. Ah, là ils sont ralentis. Non, c'est là qu'ils ont profité. Je ne pourrais pas aller aussi vite que lui. Ah, c'est que voilà, je suis plus rapide dans les virages, mais je ne peux pas les passer. Alors, je pense que ça peut le faire à l'inter-ouest, c'est bon. Va-t-il faire maintenant? Je vais le dépasser tout simplement. Deux Jordan qui sont bien placés d'ailleurs. Hein. Quatrième et peut-être même troisième. On a passé avec la mi-saison et la fin de saison de Jordan, c'est quand même pas mal. On est passé à l'intérieur. Oh là mon dieu. Du coup, on a fait perdre une place. C'est où on a réussi à rattraper la Jordan aussi. Oh, la réaccélération était magnifique. Il réduit l'écart qui les sépare. Va-t-il réussir à le dépasser? Ok, on est remonté en 3ème position. Alors que Rochemar a abandonné. Allez-y aussi. Et je crois d'ailleurs que Latine était remonté jusqu'en 3ème position hein, lors de ce grand prix à l'époque, même en replongeant en dernière position. Et bien entendu, et je crois quand même que c'était Irvine qui avait remporté la course. C'est évident parce que comme c'est un circuit bosselé, on a du mal un peu à avoir les points de freinage en descente. En tout cas pour l'instant 3ème c'est bien. Chupé. Et voilà. McLaren qui tienne le pavé hein, pour le moment. Pas qu'on puisse aller vraiment beaucoup plus vite sans trop faire d'erreur. En tout cas, on a perdu deux places par rapport à la pole position. On va essayer de remonter sur l'IR, on est déjà au 6ème tour, hein. Ça va être compliqué de remonter aussi vite. Secondes 4, on va voir maintenant l'écart. Alors je suis à la limite. Et c'est bien passé. On va faire un meilleur temps autour, non? C'est vraiment la réaccélération. On va essayer de repasser Coulthard du coup. Aucun problème. Oh! On va dépasser les deux dans la ligne droite. Quelqu'un qui a essayé de m'avoir à l'intérieur. Ah, on a Jordan qui est remonté sur eux. Ouais, je suis dans la partie rapide, je pense que ça devrait le faire. Ça passe. 8ème des 10 tours. Je ne peux pas le croire. Ah, il y a encore un abandon. Et donc Hakkinen, Coulthard, Frenzen, Irvine, Hill, Michael 7,
C'est Jordan qui vont faire une bonne opération, j'ai l'impression. Ouais, Williams ne manque pas de points, je crois. Pourrait bien relancer la course. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé encore? Encore un abandon? Arven toujours quatrième. Ah non, par contre Arven a récupéré une place à deux de Jordan. C'est Jordan qui sont en train de perdre des positions. Salou qui remonte en 8ème position. Que se passe-t-il? Un coup de théâtre? Alors pour l'instant non. Il a mis deux roues dans l'herbe. Ça a failli être grosse erreur. Nous sommes à la moitié de la course. Allez, dernier tour. Monsieur Van Viet toujours. On va une Frenzen Hill. 1 kg. Ouais, Trulli qui a abandonné, ouais. Takagi aussi, Schumacher, allez-y. Pas mal d'abandon, mine de rien. Spectacle ne vous fait pas chavirer, alors je n'y comprends plus rien. Bah, je pense que tu peux ne plus rien y comprendre, parce qu'effectivement le spectacle il est pas trop là. Et donc on va remporter le Grand Prix d'Autriche plutôt facilement, malgré un début assez chaotique. J'espère que je ne passerai pas. Voilà, donc c'est nous-mêmes qui avons gagné devant Häkkinen, Coulthard, Irvine, Frenzen et Hill, donc 3 points. Pour Jordan, c'est dommage, hein, c'était vraiment sur le podium. On va faire continuer et on va voir du coup le classement du championnat qui risque d'être un petit peu bouleversé, bien entendu, puisque Schumacher ne roule plus. Donc le jeu l'a pris en compte quand même, mine de rien. Ça, c'est quand même pas mal. Attendre le passage à la suite, voilà. Et donc, bon, ça on a déjà vu. Au classement pilote, bah, évidemment, on s'éloigne puisque Schumacher ne marque pas de points. Donc du coup, ça va être Häkkinen hein, qu'il va falloir suivre avec Irvine et Coulthard, qui risquent de marquer le plus de points, je pense. Voire peut-être Mika Salo. En tout cas, au championnat constructeur, on a Ferrari qui est toujours en tête. Par contre, ça risque de perdre pas mal de points. Hein. Ça va être compliqué pour Ferrari de maintenir sa deuxième position, surtout contre nous et surtout contre McLaren aussi. Jordan par contre sont bien placés, 4ème, ça devrait pas trop bouger, par contre ça va être intéressant de suivre la lutte entre Williams et Stewart. Par exemple là les Williams étaient certes mieux placés, mais ayant abandonné on finit derrière les Stewart cette fois-ci. Donc voilà, bah écoutez j'espère que évidemment ça vous a plu. On se retrouve pour la suite du championnat, je pense que les problèmes sont peut-être résolus pour les crashs. En tout cas je souhaite que ce soit le cas. Et on se retrouve donc pour la prochaine course à Hockenheim. Course très intéressante à l'époque. À la prochaine. Ciao tout le monde.